Alors cette semaine, Elon Musk a lancé une fusée pour coloniser Mars. Les milliardaires, ils sont trop forts. Ils se sont dit, tiens, on a bien niqué la planète, et ben on va en niquer une autre. Donc apparemment, les personnes les plus riches du monde et les personnes les plus cons du monde, c'est les mêmes. Hein. Elon Musk, il veut pouvoir se barrer sur Mars en cas de guerre nucléaire. Bah c'est sûr que tout le monde flippe, mais on n'a pas tous les mêmes solutions. Hein. J'avoue, j'ai déjà pensé me barrer dans les Deux-Sèvres. À mon avis, il y a peu de chances que Poutine, il se dise, bon, je fais péter la tour Eiffel ou le Carrefour Market de Saint-Aubin-le-Clou. D'ailleurs, Macron, il est très tranché sur les conflits, mais il est moins tranché dans ses actes pour régler les conflits. Manu, il envoie des soldats en Ukraine et Poutine, il est là. Bah alors Manu, j'ai vu que t'as envoyé des soldats. Ah mais non mais attends Vlad, il y a soldats et soldats hein. Moi c'est des soldats instructeurs. C'est comme des profs de PS mais pour soldats, tu comprends? Eh bah le prof de PS il fait pas les tours de terrain. Ok. Ah mais j'ai compris. Tu veux faire genre t'es contre la guerre, mais tu veux pas t'embrouiller avec moi parce que t'as peur. Voilà. Allez bisous. Et après il vient nous faire un petit discours pour nous dire qu'il a réglé le problème. Merde. En parlant de médailles en chocolat, Bruno Le Maire, pareil. Il nous a sorti j'ai gagné la bataille contre l'inflation. Et bah bravo mon Bruno. Sauf que l'inflation elle est toujours au-dessus de 2% et le prix de l'huile d'olive il a triplé en 3 ans. A priori à la bataille contre l'inflation, toi aussi t'as envoyé des soldats instructeurs. Et cette semaine c'était aussi les commémorations du débarquement en Normandie. Ça c'est bien. C'est important le devoir de mémoire. Hein. Pour ne pas que l'histoire se répète et que les erreurs qu'on a commises par le passé ne se reproduisent, n'est-ce pas ?